Je vais démonter son lit. On doit quitter la maison avant ce soir. Ça tombe, il fait ça parce qu'il veut nous virer de la maison en débarrassant nos chambres. Pas Lily. Oh, mon lit, il est où? Désolé pour ce que je vous ai fait. Allez, ouvrez-moi. Salut, si la vidéo te plaît, lâche un like, abonne-toi et clique sur la cloche. Allez, hop, moi j'en ai marre d'être ici, de tous ces gens qui viennent nous voir la nuit. Allez, on va vite partir d'ici. Qu'est-ce que c'est ça? J'en ai marre. Bon allez, il faut qu'on parte plus vite possible de la maison avant ce soir, sinon on va avoir beaucoup de problèmes. Je vais commencer par aller débarrasser les affaires de Lily Rose. Eh oh, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai vu un panneau à vendre devant la maison, mais qu'est-ce qui se passe là? Tu m'as pas prévenu, on doit partir. Oh là là, mais qu'est-ce qui se prépare là? Il y a un prank, c'est ça? Il y a des caméras qui sont cachées? Qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi on doit partir? Bon Esteban, je dois te dire quelque chose. On doit quitter la maison avant ce soir parce que figure-toi que ce matin, il y a quelqu'un qui est venu en me disant, écoutez, il faut que vous partiez de la maison avant ce soir, sinon on va continuer à venir toutes les nuits, on va hanter votre maison et plein de choses. Alors il vaut mieux qu'on s'en aille, Esteban. Comment ça, partir de chez nous avec des gens qui sont venus ce matin pour nous dire qu'il fallait partir, mais on va pas respecter ce qu'ils disent quand même, c'est pas possible, on va pas se laisser faire à... Attends, ça me rappelle une histoire ce truc. Ah oui, c'est les gens qui viennent chez nous la nuit. Une fois même, on a dû partir de la maison pendant plusieurs jours parce qu'ils nous ont demandé de partir et tout. Ils sont trop bizarres et ils sont surtout super dangereux. Oui, bon, il faut faire ce qu'on peut pour partir. Mais bon, c'est pour ça que t'as mis la maison en vente. Oui, t'as raison, c'est pour ça qu'on part. Bah, d'ailleurs, il faudra qu'on le dise à Lily Rose quand même parce que... Et puis ce soir, je sais pas comment on va faire. On va dormir où? On va certainement dormir dehors, hein. Dormir dehors? On va prendre des matelas pour dormir dehors carrément. Oh là là, ça part en cacahuète ce truc. Bon, moi je propose un truc. On reste ici, on attend ce soir et ça tombe, ils viendront pas. Ils font ça pour blaguer ou je sais pas quoi. Bon allez, moi je vais en haut, toi touche à rien. Reste là et laisse ça comme ça. On s'en fiche d'eux, on les battra. Ouais, t'as raison. Vas-y, va dans ta chambre. Allez, bon, je vais pas écouter Esteban, je vais quand même tout débarrasser. Je vais commencer par tout bouger. Le lit, les affaires de Lily Rose. Je vais démonter son lit. Hop, allez, hop, ça va vite. Bon, je vais prendre un maximum de choses, comme ça on sera pas obligé de tout laisser. Bon, voilà, ça y est, j'ai terminé. Il me reste plus que quelques petites choses à faire. Je vais aller me reposer. Bon, ce qu'ils savent pas, c'est que, en fait, j'ai envie de les virer de la maison, là. Donc, c'est pour ça que je suis en train de tout débarrasser. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est une blague? Non, mais je rêve. Le lit? Le lit de Lily Rose, il est passé où? Et Peppa Pink? Oh là là là, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar là? Il est en train de bouger toutes les affaires aussi. Oh bah non, ça veut dire que c'est vrai, il veut vraiment partir de la maison. Moi je soupçonne un truc, c'est que son histoire soit fausse. Ça tombe, il fait ça parce qu'il veut nous virer de la maison en débarrassant nos chambres. Ça tombe, c'est ça. Oh là là, regardez-moi ça. Toute la chambre est en train d'être dévastée. Comment va réagir Lily Rose? Esteban, qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que t'étais dans ta chambre. Dis-moi ce que tu fais, vas-y. C'est toi, qu'est-ce que tu fais? Regarde la chambre de Lily Rose. Si on devait vraiment partir de la maison ce soir, là, en urgence, tu crois qu'on prendrait le lit? Un lit qui ne vaut rien. Regarde, il y a plein d'affaires qui sont trop bien, les jouets que Lily Rose préfère, et toi, tu prendrais un lit. Je pense que tu fais plutôt ça pour nous empêcher de dormir ici, pour nous virer de la maison, et pour que nous, on dorme dehors, et que toi, tu restes ici tranquillement. T'inquiète pas, je vais enquêter. Lily Rose revient de l'école dans quelques minutes, et ça risque de très mal se passer pour toi. Non, non, pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. D'ailleurs, je vais prendre quelques jouets, je vais continuer à débarrasser, et puis laisse-moi tranquille. Bon, allez, je vais tout cacher à la cave, comme ça ils vont croire que j'ai tout mis dehors. Bon, j'ai une idée. Là, c'est bon. Je suis revenu chez moi. Je suis revenu dans mon petit grenier, là. Je pense que je vais aller chercher Lily Rose avec lui à l'école. Et qu'avec Lily Rose, on va faire un plan secret pour pas qu'on puisse être viré. Bon, je vais aller chercher Lily Rose à l'école. Vite, allez, c'est parti. C'est bon, je suis dans la voiture. Ouh, je vais pouvoir enfin découvrir son plan. Qu'est-ce qu'il va faire à Lily Rose? Et quand il va dire son plan, je vais débarquer d'un coup. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai pas vu rentrer dans la voiture. J'étais caché derrière depuis le début. Oh, voilà. Alors fais pas le malin, allez, va chercher Lily Rose et je vais tout lui expliquer. Ça va rien changer de toute façon. J'ai encore plus envie de vous virer. Allez hop, moi je m'en vais. Ah, il est parti en plus. Il a débarrassé toute la chambre de Lily Rose, il reste quasiment plus rien. Là, ça va démarrer quelque chose de très très grave. Ne t'inquiète pas, Lily. Oh, mon lit, il est non. Où? Alors. Mes peluches, elles sont où? Elles sont là. Bah,
J'ai tout démonté, j'ai démonté ton lit, Lily Rose. J'espère qu'il va bien, j'ai mais trop oui, peur. Ne t'inquiète pas. Il y a des gens mon qui viennent le soir. Oui, n'importe tu te souviens quoi pas, qui nous embête la tu nuit. Tu racontes n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. Écoute, on va laisser ça comme ça. Mais non, c'est n'importe quoi. Tu vas retourner jouer. Moi, je vais m'occuper. Je vais m'occuper de ranger tes peluches. Oh là là. Si j'ai fait ça, c'est qu'il y a une bonne raison. Ah, au moins, ta famille, mes amis dans des cartons pour les donner à des enfants, hein. Non, laisse-les là, Lily Rose. Bon, allez, Lily Rose, moi, je pars. Dans une heure, on doit être parti d'ici. Alors, range mais toutes pourquoi une heure? C'est toi qui as donné ce temps-là. Ah ouais, Peppa Pig, reste là-bas dans ton coin, là. Bon, Lily Rose, j'ai quelque chose à te dire. Bon, là, t'as vu que ta chambre, elle est... Ah bah, ouais, bah, ce qu'il en reste, on va dire que ta pièce, là, elle est un peu en bazar. Il a enlevé le lit. Et en fait, il a essayé de nous faire croire que des gens bizarres allaient venir cette nuit pour nous virer de la maison et que si on partait pas, on courait un grand danger. Sauf qu'en fait, c'est faux. Il a fait ça pour nous virer de la maison, pour qu'on aille dehors et pour qu'on aille chez quelqu'un d'autre ou je sais pas pourquoi. Du coup, je pense que dans une heure, on va devoir partir définitivement d'ici. Oh là 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 là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je suis perdue. Bon, c'est pas grave. Enfin, si, quand même, mais bon. Bon, bah voilà, donc là, on est sorti. Et Lily Rose, tu m'as dit que t'avais quelque chose. Oui. Bah, c'est bah, quoi? Bah, du coup, bah, t'as vu que Peppa Pig, il était resté dans la maison. Ouais, il est resté dans la maison. Bon, là, il y a quelques voitures. Donc, mon plan, c'est qu'on va essayer de rentrer dans la maison en secret. Comment ça, en secret? Mais il a fermé. T'es au courant qu'il a fermé la porte, là? Donc c'est pas possible, on peut pas rentrer même en secret. En fait, je attends, crois que... je sais ce qu'on va faire. Mais là ce qu'on va faire, c'est que on va frapper à la porte. Ouais. Et on va s'enfuir. Et comme ça, okay. Il va croire que c'est quelqu'un qui a frappé chez lui. Et du coup, il va pas refermer la porte. Et du coup, non, c'est pas ça, il va sortir pour voir qui c'est. Et pendant qu'il sort, nous on rentre et on l'enferme. Ah ouais, pas bête. Allez, vas-y, on va faire ça. Vas-y, frappe à la porte et on se cache. C'est qui? C'est bizarre, y a personne. Regarde, Lily Rose, il part par là. Attends, il nous voit pas. Oh, il nous voit génial, pas. Génial. Non, c'est bon. Allez, viens. Attends, viens, vite. Vite, profite qu'il soit parti. Vite. Chut. Il est juste là. Vite. Papa, vite. Bonne chance. Vite. Allez, vite. Désolé, là. La vidéo part en cacahuète, là, on filme n'importe comment. Mais c'est parce que. Oh là là. On a réussi, c'est bon. Génial. Il a perdu à son propre plan. Attends, on va voir s'il est là. Il doit être devant la maison là. Ouais, il est là, regarde. Bon bah tant mieux. Oh, on a réussi à la voir. Je suis trop contente. Oh non, ouvrez-moi. Désolé pour ce que je vous ai fait, allez, ouvrez-moi. Bon les amis, donc là le problème c'est qu'on peut pas le laisser dehors toute la nuit quand même, on est pas méchant. Donc non, on va attendre un peu. Oui. On va remettre le lit de Lily Rose. Oui. Et voilà. Donc je pense que les amis, on va se retrouver dans un prochain épisode. Bye. 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 Pour savoir ce qui se passe avec Peppa Pink.